À tout le monde. Alors aujourd'hui, toute nouvelle vidéo, ça va être la partie 2 sur Yae, donc la partie sur les chaussures, comment je les ai customisées. De toute façon, comme d'habitude, vous avez tous les liens dans la description, donc que ce soit où est-ce que j'ai acheté, les prix, etc. Tout ce que j'ai pu récupérer, parce que des fois j'oublie un peu, je vous le mets en description. Sur ce, je vous souhaite bonne vidéo et bon visionnage. À plus tard. Alors, dans un premier temps, j'ai directement repris une image de référence donc de chaussures de Yae sur Internet. Et j'ai dessiné tous mes patrons du coup à la main. Et après, je les ai découpés et je les ai reportés dans de la mousse. Je crois que c'est de la 2 mm. Alors ensuite, je suis passée à la sous-couche, donc j'ai sous-couché toutes les parties pour les chaussures et après j'ai pu passer donc à la peinture blanche et dorée. Thank you.
Ensuite, j'ai directement peint en rouge du coup mes chaussures. Alors, vu qu'elles sont noires très foncées et que ça fait une espèce de velours sur la partie supérieure de la tongue, donc celle qui tient le dessus des pieds, on ne voit pas trop que c'est rouge. Enfin, ça se voit surtout au soleil, mais après, au soleil, pas trop. Enfin, quand on n'est pas au soleil, ça ne se voit pas trop. Et après, tout le rebord en fait, du haut de la chaussure, vous allez le voir sur la vidéo. Donc, tout ça, je l'ai peint en rouge et j'ai passé deux couches. Ensuite, j'ai assemblé ben, les parties donc des détails de la chaussure ensemble. Et après, j'ai découpé, pareil, dans la mousse 2 ou 3 mm, je ne sais plus, des petits rectangles pour pouvoir mettre sur la partie blanche qu'il y a sur le dessus de la chaussure, que j'ai peint en violet aussi. Et ensuite, ben, j'ai pu coller cette partie donc supérieure sur le dessus de la chaussure. J'ai également collé le dessus de la tongue à cette partie blanche pour être sûr que ça tienne bien comme il faut. Et voilà, les chaussures sont fin prêtes. Et comme vous pouvez le voir, enfin vous le verrez dans la description, mais ça m'a coûté presque rien. Alors que les paires de chaussures qu'on trouve sur AliExpress, au moment où je cherchais, elles étaient à plus de 50 euros.